Alors, voilà, je suis à Wadada Festival, mais à l'extérieur, j'ai pas le droit de passer à cause du pass sanitaire. Là, j'ai rencontré une famille là qui voulait profiter de l'animation et peuvent pas rentrer parce que les enfants n'ont pas de pass sanitaire encore. Quoi. Ah voilà, c'est des touristes, ils sont complètement détendus. Du coup, ils vont se balader parce que le paysage est joli et puis il y a de l'espace. Beaucoup d'air, vous voyez, c'est très beau. Par contre, là, ça craint un peu. Hein. Bon, ça fait forteresse. Wadada, forteresse, quoi. J'ai essayé de contourner. J'ai tout contourné, il n'y a pas moyen de passer. Hein. C'est hyper contrôlé, quoi. Bon, voilà. On entend un peu la musique. Hein. Évidemment, il y a beaucoup moins de monde hein, que les dernières fois. Hein. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rentrer. Quoi. Vous voyez, c'est comme ça, tout à tour. C'est complètement ceinturé avec une barrière métallique infranchissable. Je me demande s'ils ont pas mis l'électricité. Je touche pas, si jamais. Ah, je vois des gens qui s'avancent. S'ils veulent sortir par là, c'est pas possible. Je leur demande. C'est vrai, je sais pas, les autres. Bonjour, vous êtes venu de vous d'un pass sanitaire? D'accord, c'est l'obligation hein, pour... J'ai l'impression, oui, ils demandaient, oui. Sur le dernier Wadada, moi je suis venu filmer, il n'y avait pas de... Ah, le celui d'avant peut-être. Ah oui. Le dernier. Ouais, nous, c'est la première fois combien, je sais pas, mais là, effectivement, ils ont demandé de passer à l'hiver à partir de maintenant. Parce que j'ai vu une famille là qui voulait. Tiens, il y a de la musique qui voulait faire un tour, sachant que c'était gratuit. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas passer. Du coup, parce que les enfants n'ont pas de place. Les enfants, eux, normalement, ouais, ils sont pas soumis au pass sanitaire. Parce que je crois ah que c'est... bon. Bah, je sais pas, un petit peu. Ça dépend peut-être des âges, parce que eux, ça avait l'air de dire qu'ils n'avaient pas pour les enfants le pass sanitaire. Donc je vais leur dire qu'ils peuvent peut-être rentrer, je sais. Je sais pas. C'est après les enfants, moi ils m'ont demandé le mien, ils n'ont pas de place. J'ai le sien aussi, le sien du coup il est activé, s'il était activé, mais okay. Non, ils sont plus sur un seul, ça suffit. Bah, je vais les rattraper, je vais leur dire. Peut-être après, ils vont peut-être pas voir lâcher leurs enfants tout seuls sans surveillance. Pour l'instant c'est tranquille, il n'y en a pas grand monde. Bah oui, il y a l'espace là. Ouais, c'est familial. On n'attrapera pas le Covid aujourd'hui. J'espère. Enfin, j'espère. Ouais, on sait jamais, mais bon, c'est pas. Là, c'est pas. On sent pas un foyer d'infection, une prolifération de virus. Hein. Les gens sont pas le il y a du vent et tout. Et il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Ouais, moi, ça pas je viens. Et là, j'ai une amie, elle m'a dit, tout le temps, lui, c'est comme ça. Se balader à travers les dunes. Vous venez de quelle région? Moi je suis de Brest, hein. Je suis pas de Brest. Ah, Brestois, comme moi depuis, alors. Ouais, mais depuis 8 ans. Enfin, en vrai, Brest. Ah, bah, à Brest, on est Brestois quand on y habite. Hein. Voilà, c'est ça, mais depuis 8 ans. Là-bas. Ouais, je travaille à Brest. Mon fils est la frontière belge, il est à Charleville. Il y a un point la frontière belge. Je ne vois que ça avec moi, mais non. Ah, oui, ton fils est bien connu. Ouais, ah, il est content, c'est là. On est entouré de côtes. À Brest, ouais. Hein, presque vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec les deux fonds qui nous séparent de la terre. Ouais, c'est un peu embêtant, c'est vrai qu'on est. Ouais, dès qu'on veut revenir, on est super loin. À chaque fois qu'on veut bouger en voiture, on est oui, super loin. On fait des kilomètres. Ouais, c'est ça, dès qu'on veut bouger, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon. Non, il n'y a pas de bouchon. Tranquille. Et dès qu'on va revenir ailleurs, on pense dans le centre ou à l'est. Parce que moi j'ai fréquenté le sud, mais des fois on se baladait, c'était carrément des montagnes. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, les montagnes, tout ça, c'est caché. Je vous
vous laisse, bonne journée. Ouais, ok, bonne journée. Je sais pas si il y a des gens qui visitent. Je vais essayer de rattraper le... sa famille qui est là. Oui, bonjour. Vous pouvez y aller, hein. Il ne demande pas le passe pour les enfants. Il ne demande pas le passe pour les enfants. Moi je pense qu'ils ne demanderont pas pour les enfants. Oui, après, il essaiera de les lâcher tout seul. On ne va pas les lâcher. C'est ça, c'est on pas évident. On va chercher à minuit. Enfin, moi du coup, je suis satisfait parce que j'arrive à filmer Wadada quand même. Bon, ah oui, mais bon, à travers la clôture là. Mais... ouais, c'est moins fun quand même. Ah oui. Bah, bonne journée. Ça crée une ambiance quoi. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. À Brest.